Tout de suite, le journal. Informez-vous avec iBoost Africa, Internet sérieux. C'est dans les grands moments qu'on connaît les grands hommes. N'oubliez pas d'utiliser le préservatif. Message du PNMLS, Programme National Multisectoriel de lutte contre le SIDA. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. La radio-télévision nationale congolaise désormais sous contrôle des forces régulières. Confirmation dans ce journal avec le ministre de la Communication et des Médias. En même temps, on compte des morts, mais un bilan définitif n'est pas encore connu. Top Congo FM, le journal d'information avec Joël Zima. Merci de choisir Top Congo FM. Le site de la RTNC à nouveau sous contrôle des forces armées régulières. Confirmation avec le porte-parole du gouvernement, Lambert Mendioma. Je suis en train d'entrer à la RTNC. Au moment où tu me parles là, je suis dans ma voiture en train de passer le portail de la RTNC. Et quelle est la situation actuellement? La RTNC est sous contrôle de nos forces. C'est elles qui sont en train de m'escorter. Il y a le commandant de la région militaire qui est ici. Il n'y a pas de pertes en vies humaines? Oh que si, oh que si. Les assaillants ont perdu leur gens. Nous allons les filmer et montrer à la population. Lambert Mendioma-Langa, un peu plus tôt, le porte-parole du gouvernement a évoqué cette mutinerie. Lambert Mendioma-Langa a tout de même précisé que la situation est désormais sous contrôle. Bon, il y a des éléments terroristes qui s'en sont pris à la RTNC 1. Nous ne les avons pas encore identifiés. Nous souhaitons vraiment les identifier. Et c'est ce qui ne va pas tarder, mais ils ont rencontrer une réponse adéquate de la part des forces de l'ordre. L'enquête est en train d'être bouclée. Il y a eu de la CAF, c'est-à-dire des morts parmi eux. Et la population doit rester tranquille parce qu'ils ont fait beaucoup plus d'agitation, de bruitage pour terroriser la population, pour l'empêcher de passer à des fêtes dans les conditions normales. Ces assaillants sont venus d'où? Mais je vous dis que ce sont des éléments terroristes non identifiés jusqu'à présent. Donc il nous est difficile de vous dire d'où ils sont venus. On a appris qu'il y aurait également des tirs vers le camp Kokolo. Mais le camp Kokolo est sur le site de la RTNC. Mais pourquoi, si vous les avez déjà maîtrisés jusqu'à présent, la RTNC ne met toujours pas? Elle va émettre. C'est nous qui avons coupé la RTNC. Monsieur le ministre, nous apprenons également que quelques journalistes, notamment les animateurs qui étaient sur le plateau, ont été pris en otage. Vous confirmez? Pris en otage, on a vu des jeunes gens découler là-bas en racontant je ne sais quoi. Leur sécurité nous importe beaucoup. Nous allons recevoir un rapport pour savoir ce qui a pu être fait. Donc pour le moment, la vie, aucune vie d'un agent de la RTNC n'est en danger? Je ne saurais vous le dire parce que nos forces sont en train de ratisser et de nettoyer et ce n'est pas le moment pour moi de leur demander de faire le point parce qu'ils sont occupés à arrêter les gens, à nettoyer le site. Que doit faire la population pour le moment, monsieur le ministre? Vaquer normalement à ces occupations puisque ces gens n'avaient l'intention de rien d'autre que de terroriser la population et provoquer la pagaille dans la ville de Kinshasa, une ville de 10 millions d'habitants. Il ne faut pas les aider en cédant à cette panique. Mais comment ont-ils pu pénétrer le site de la RTNC qui est si sécurisé par les forces armées? C'est ce que l'enquête déterminera. Pour l'instant, je ne peux, je suis pas en mesure de vous dire comment ils sont entrés, mais nous avons besoin de savoir. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous allons vous rappeler un peu plus tard pour d'autres infos. Merci à vous. Lambert Mendioma-Langa au téléphone de Thierry Kamboundi. Notez que des tirs sont entendus au centre-ville dans la commune de La Gombe, à Barré dans la commune de Ngalima et à quelques minutes à l'aéroport international de Njili. Autre réaction, celle de l'ADG d'intérim de la RTNC. Nicole Dibambu qui confirme que le calme est en train d'être rétabli sur le site de la RTNC. L'ADG d'intérim ne dit rien sur la supposée prise d'otage des journalistes. Nicole Dibambu. La police est en train de faire son travail, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Donc nous patientons un moment pour avoir les dernières nouvelles. Oui, mais quelle est la situation sur le site de la RTNC? Sur le site, la police s'y trouve. La police est en train de faire son travail.
qui est en train d'être nettoyé. Donc, les insurrectionnels sont en train de fuir et la police nous fera le rapport juste après. Mais les choses sont rentrées pratiquement dans l'ordre. Nous avons appris également que certaines de vos agents sont prises en otage par ces assaillants. La police est sur place, nous aurons des précisions. La police est sur place pour faire ce tournage. La police connaît les agents et elle fait son travail. Mais vous confirmez la prise d'otage? La police est sur place, nous ne pouvons pas confirmer, mais pas sur place, mais la police est là pour faire ce travail-là. Nicole Dibambou, joint par votre radio, le commissaire général de la police n'a pas voulu faire des commentaires. Charles Bissengiman précise que la police est sur place et fait son travail. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Retenez pour l'essentiel, la RTNC est désormais sous contrôle des forces régulières. Confirmation dans ce journal, vous l'avez entendu avec le ministre de la Communication et des Médias. Et on compte des morts, mais un bilan définitif n'est pas encore connu. Top Congo FM. Réalisation Thierry Kamboundi, mise en nom d'Eric Makiadine Kongo Louvia. Merci d'avoir écouté ce journal. L'actualité continue sur votre radio.